Nous rejoignons à Londres Martin Talbot, critique musical et directeur de The Official Charts Company, la base de données la plus complète sur l'industrie de la musique britannique. Il est clair que les admirateurs de Bowie ont été intimement bouleversés. Des gens disent déjà qu'ils se souviendront toujours où ils se trouvaient en apprenant sa mort. À quel point est-ce important ? David Bowie était un colosse absolu de l'industrie de la musique, à l'étranger également, parce que ce n'était pas seulement un musicien, c'était un colosse. On peut comparer sa mort du point de vue musical à celle d'Elvis Presley ou des Beatles. Il y en a peu finalement qu'on puisse mettre dans le même panier. C'est énorme, ça nous dépasse. Qu'en est-il de son dernier album Black Star et du single qui vient de sortir? Il devait être malade quand il l'a fait. Comment le voyez-vous maintenant et simplement, est-ce que c'est un bon album? Je pense que c'est une chose remarquable. Son producteur depuis longtemps, Tony Visconti, disait déjà de son vivant que sa vie était une œuvre d'art. Sa mort aussi est une œuvre d'art. Son album est un album très sombre qui parle d'aller au paradis, de regarder le monde d'en haut. Et même dans le clip de Lazarus, il y a cette image de lui se relevant d'un lit comme s'il revenait d'entre les morts. Il y a énormément de messages à découvrir et il est clair qu'il savait ce qui allait se passer, qu'il savait qu'il ne resterait pas dans le coin longtemps pour faire la promotion de l'album ou le voir devenir un succès. Je pense qu'il savait que ce ne serait pas long après cela et que ce serait sa dernière contribution en tant qu'artiste, en tant qu'icône artistique de la musique. Beaucoup a été dit sur la carrière de David Bowie, sur la manière qu'il avait de se réinventer constamment, qu'il était toujours en avance sur son temps. À quel point est-ce vrai ? En une décennie, rien que dans les années 70, David Bowie a produit une demi-douzaine, peut-être 10 disques absolument novateurs et incroyablement importants. Mais à chaque fois, se réinventant lui-même en quelque sorte, apparaissant sous les traits de différents personnages, comme un genre d'acteur d'avant-garde, de Ziggy Stardust à Aladdin Sane ou le Thin White Duke. Et après cette époque, on le sait maintenant, où il abusait de la drogue, c'était dans la seconde moitié des 70s, est arrivé Scary Monsters avec de nouveaux personnages. Le morceau Let's Dance début des années 80, sa période soul. Et même dans cette période, il a fait tellement de choses. C'est remarquable. Et brièvement, son impact a été ressenti bien au-delà du monde de la musique. Les hommages viennent du Premier ministre britannique comme du Vatican. Le gouvernement allemand a déclaré qu'il avait contribué à la chute du mur de Berlin. Bien sûr, il a joué un rôle immense dans l'histoire de Berlin. Trois de ses disques les plus acclamés, Heroes, Low et Lodger, ont été enregistrés en partie à Berlin dans un studio près du mur. À une époque, et c'est facile de l'oublier, à une époque où il n'y avait pas une grande scène culturelle à Berlin. Berlin n'était pas sur la scène mondiale, ce qu'elle est devenue après cette trilogie. Il a eu une relation très intime avec cette ville. Martin Talbot from the UK's Official Charts Company, thanks very much for joining us on Euronews. You're welcome.